Bonjour, je vais vous interpréter la guerre. La guerre dont l'âme est la plus sombre du monde, qui se nourrit d'affreux êtres à la commande. Des pires esprits aux noirceurs immondes, dans ces victimes ne sont que des offrandes. De l'Antiquité à nos jours sans cesse, n'y a pas une minute où sa folie d'ivresse décime l'humain de toutes sortes de pays, bien pire que toutes les pandémies. La guerre dont l'âme a noyé son esprit pourra tellement bleu, un jour tellement bien expié. La derche des derches était-ce une rêverie pour tous ces braves survivants de ce merdier? Cette bête, hélas, ne fut jamais domptée. Par millions de vies, celle-ci ignorante vantée. S'ils savaient ô combien candides ils étaient, que l'enfer derrière eux va vite les précéder. La guerre dont l'âme se moque bien des humains continuera-t-elle jusqu'à la nuit des temps? Un paradoxe dont sa bien longue vie dépend, de tous ces morts qui jalonnent son chemin. Dans sa gouvernance, une poignée de ces âmes qui se l'accaparent comme l'esprit du dieu Arès, jusqu'à combattre les écrits du Deutéronome où Moïse offrit ses discours d'une certaine sagesse. Comme dit Marcel, l'amour plus fort que la haine, moi le genou je l'écoute de ma vingtaine. Ce vieux poilu dans sa jeunesse de défaine, mais dans la mémoire restera souveraine.